Bon, PIL pour moi, nous avons compréhension, mais bon, c'est peu haïtien plus ou moins comprendre ce qui a passé aujourd'hui. Pourquoi ça me dit ça? La population comprend que là, nous avons l'État, côté que nous avons parlé de démocratie, nous dit que le droit nous gagne en Haïti à son droit positif. Et un droit positif, là, tout bagaille est prédéfini, est préétabli. Ça veut dire son droit qui écrit droit positif, là, et qui dit comment toute disposition doit prendre. Eh bien, je dis à la population haïtienne, rivez comprendre que ancien président Jovenel Moïse, qui a un CEP qui a été campé sous pied là, qui sont CEP illégal, parce que suivant la constitution haïtienne de 1987, eh bien, pour CEP ça, pour même CEP, il y a des juges et des vrais juges, faut qu'ils soient fermentés. Et nous tous connaissons, ni moi ni vous, la population haïtienne connaît que les gens qui font partie de CEP ça, ils ne sont pas prêtés seulement à quel côté. Ça veut dire son CEP qui est illégal, son CEP qui n'a pas de légitimité pour prendre quelle décision, non, non, pas ici. Mais, bon principe, tout en droit territorial qui dit l'accessoire suit le principal. Ça ne veut dire qui ça? Les juristes disent l'accessoire suit le principal. Ça ne veut dire si même CEP est illégal, eh bien, dès que nous considérons comme accessoire, eh bien, suivre le principal là qui est même CEP, eh bien, moun qui n'en bête, moun qui n'en bête, il égal tout. Moun qui n'en bête, moun qui n'en bête, il n'y a pas qu'à poser aucune action dans nos populations haïtiennes. Et nos populations haïtiennes, tout, comprennent que ancien président Jovenel Moïse sont moun qui kembe pouvoir de force. C'est ça que je dis là, je dis son président de facto, ça veut dire de fait. Il n'y a pas de côté, il n'y a pas de texte légal qui a brandi pour dire qui fait les sous-pouvoirs là aujourd'hui toujours. C'est ça que fait, la population comprend ça. Eh bien, si l'ancien président Jovenel Moïse c'est un président de facto, eh bien, sous même principe l'accessoire sur le principal, eh bien, nous connaissons les ministres surtout, c'est des ministres de facto. Bref, la population Jacques-Mélène dit, il n'y a pas de ministre de facto, il n'y a pas de CEP de facto, et bien je dis à la ministre de facto, Roxelle Vincent, débarqué dans la cité Magloire-Amboise, dans la cité Assidia, le premier acte là pour le venir parler, et bien la population a dit non. Non, il n'y a pas de cas d'accord bagay ça, il n'y a pas de cas d'accord ministre de facto qui n'a pas de droit, venir parler là, venir prendre décision. Terriel, nous voyons tant de dire c'est une question conflit terrien. C'est une question de problème. Et oui, c'est ça, magistrat. Là, magistrat m'a kické ça et ça le dit. Il dit que le ministre est présent dans la ville. C'est dans le cadre de Yonchita Tande avec un série de notables sous affaire conflit tête tagué dans Jacmel. Mais Terriel, tandis. On a supposé son conflit tête. Là, on a retourné dans. Et droit positif, le droit haïtien est un droit positif. Et bien, puisque son droit positif, il dit qu'il y a une institution qui est là pour résoudre le conflit terrien. Il dit qu'il y a une institution qui est là pour résoudre les problèmes fonciers entre la société. Eh bien, ni justice, là, c'est pas, il n'y a pas ni droit, ni qualité. Je dis à vous, il a venu prendre la parole en David Jacmel pour résoudre le problème foncier. Pour résoudre le problème et conflit rien. Non, ministre justice n'a pas gagné droit ni qualité. Et bien, je dis, hein, mon Dieu dit, ministre justice, on pas gagné ni droit ni qualité. Si on est sensible pour la population haïtienne, ce n'est pas un problème. C'est qui t'a intéressé sous Jacmel, parce que de oui, mais qu'a vu, conflit qui est sous Jacmel, du président, non, terrain qui en face et qualité à Jacmel là. Ministre n'a pas soi disant que au chaos la fait ça par le bien de un frère ou bien bon frère, c'est ça que Selvin Jacmel, bien mon Jacmel Dieu va pas dire ça. Nous connaissons ministre c'était non pile mauvais bagage déjà donc machine parole ne va pas dire ça. Nous connaissons été révoqué point compétent reste non nous va pas dire dans bagage ça c'est bagage qui passé yo constater non la question vol de véhicule bah nous va pas dire dans ça et pas ça nous vienne parler mais nous vienne parler de question telle, il dit la résoudre question conflit terrien. Nous disons qu'il y a des institutions qui placent là pour ça.
c'est institution ça seulement qui habilité pour résoudre conflit terrien dans pays là dans département sud-est. Faut que son référendum là tout bien boule qui t'a couru quelques gars à arranger avec agent exécutif intérimaire qui fait ça pour mais on continue avec nos tables dans ville là t'a tout pas long question de référendum. Et d'abord que population sud-est là moun sud-est t'entendre sous ça les sud-est-ois ont entendu sous question référendum là dit pas de référendum ça et j'ai ça t'a pas lever plus de monde et des conflits et ça va garder la milité pour une balia mais ça va lever plus sous deux moun Jacmel tout pour dire pas d'accord ten moun vin parler non non yo moun ki de facto moun ki pa gen ten légitimité que ce soit légitimité et Max Weber a parlé légitimité légale ou rationnelle que ce soit Van de Carré légitimité populaire moun sa yo pa gen ten texte de loi yo pa pour aller pour montrer légitimité et population tout rejeté et bien nous dit nous pa capable moun sa yo changer constitution pour nous. Nous ne pouvons pas parler, nous n'avons pas une constitution. C'est ça. Fait, je dis à la population sud-est-oise là, qui campé comme un seul homme pour dire non, pour faire échec à plein ma canne, pour camper devant mairie, marcher devant mairie. Nous sommes en tant qu'avocats. Nous avons une structure qu'on appelle avocat debout. Nous autres, les avocats debout, nous sommes debout. Nous sommes sous deux pieds militaires, nous sommes dans mairie. Hein. Nous sommes sous deux pieds militaires dans le tribunal civil Jacques là. Pour nous dire, ministre, ou pas Kavin parle là, ou pas Kavin, et bien population est fâchée. Vous boulez caoutchouc, population fâchée. Vous tirez bouteille, vous bloquez la rue. Et bien population sud-est-oise, mon Jacques l'autre fois encore. Voyez aussi, c'est un pays illégal, illégitime ça, by gouvernement de facto ça, gouvernement illégitime et populaire ça. Pour dire, mais quoi, maman, mais quoi, papa, nous ne pouvons pas réaliser le référendum, nous ne pouvons pas réaliser l'élection dans le pays, ça, parce que nous illégal, nous impopulaires, c'est aller pour nous aller, nous ne pouvons pas prendre de si, population à Dieu, pas prendre de si. C'est ça, parole la paix. C'est ça, parole la paix. C'est vrai que nous allons finir rapidement, magistrat succès, mais en garde, est-ce que Jonso dit à son signal qui voyait, pour ta dit que yo pas dans question référendum ak moun sa yo mais parallèlement bon tout près nous on toujours dans région des palmes à Léogane en particulier nous tire ancien député Jean-Anton Léger ancien commissaire également de Jacmel on croit ça donc ancien commissaire de Port-au-Prince également mais maintenant après le défin font sortir là li présenter manchette li pour dire pas dans référendum et gagner un mandat d'invitation qui allait joindre ni. Est-ce que nous pas craint dans Jacmel pour jouer à venir là retour pour ne pas recevoir plusieurs de ces petits mandats? Ou am rituel m'passe commissaire gouvernement bien moun ki nan appareil judiciaire nan département sud-est m'pa kwè yo gen ke sa nan tache yo sous question m'a tourné sur le département sud-est. Mais sous question, j'ai d'anthologie. C'est un frère, c'est un ami. Moi, connais, moi, songe en 2009-2010, c'est le premier monde qui, bonne expérience, fait coup dans l'école qui se collège West de Ovid, de Léogane, dans la rue de la Liberté Fossée. Non, c'est un ami. C'est un frère. M'a pas capable de voyer, support moi, tout moi-même, par le commissaire Jean d'anthologie et nous autres. Et dans Baro Jacmel, nous avons une délégation, je vais parler ça avec PDG Nicolas, nous avons une délégation avocat qui a sorti dans Baro Jacmel, côté que moi-même, ma poisson délégation avocat, ça. Nous avons plusieurs avocats, comme mettre Lubin André Mel, mettre Oxen Joassin, mettre Germain Pierre, un bon avocat dans Baro Jacmel, qui a débarqué le jour qui a fait 4 juin pour nous supporter ce commissaire d'anthologie. On a supporté l'ancien député Jean-Anton Léger. On nous dit, commissaire gouvernement Petit Blabla, qui invite et paisible citoyen, surtout chef d'accusation. Parce que l'on a invité au monde, tout le monde fait un chef d'accusation, surtout chef d'accusation l'a invité. On nous dit, commissaire, il y a plus sous-chef du Chita. Il y a plusieurs monde qui te chita sous-chef ça. Pas quitter le monde maintenant là.
dans ça. Moi, c'est comme si je me gardais de PHTK. Tout nèg qui est de PHTK, c'est des gens qui a servi aveuglement, qui ne comprennent pas bon demain, qui ne comprennent pas les petits, les madame. Pour nous dire ça. Mais dans le département sud-est, il y a une chose qui fait force, nous veut dire, c'est l'unité qui gagne dans l'opposition. Dans tout pays dans le monde, nous connaissons l'opposition est hétérogène. Bon, c'est d'hétérogénéité dans l'opposition. Mais aujourd'hui, face à ces bandits légaux, face à ces malfrats, eh bien, bon, c'est d'homogénéité dans l'opposition qui déçoit là. C'est l'homogénéité ça qui fait force. Nous. Il faut nous dire, pas aucun commissaire gouvernement, pas aucun juge, pas aucun monde qui était la police, qui doit prendre chance. Intimider, je dis intimider, intimider au membre de l'opposition ou au membre de la population. Nous ne pas prendre pression, nous ne pas prendre carbonage, nous avons un avocat debout qui campe debout pour nous gouverner avec la population, sur qui ça là. Quel que soit un militaire politique qui n'a débattement sud-est, ou qui n'est pas de côté dans le pays, qui t'a sorti ou intimidé, ou qui a contacté notre 8000 succès, qui se mort avocat debout, suite qui ça, qui est plus d'une trentaine d'avocats, dernièrement, nous avons conférence de Jacques pour nous dire non à référendum, nous camper, quel que soit côté dans le pays, nous avons passé un membre dans l'opposition pour que soit référendum, ou pour n'importe notre revendication, nous autres, les membres de l'avocat debout, eh bien, nous allons camper pour nous défendre Mounsa et pour nous sortir avec correctement pour nous ne pas prendre un carbonage, pour nous ne pas prendre une intimidation. Ça veut dire qui ça? Commissaire Chérima, nous connaissons où vini dans la juridiction, où c'est notre petit Guam. Nous connaissons de mauvaises déclarations qui étaient faites bien avant. Eh bien, je dis à Nabdou, pas entrer dans la logique nèg PHTK. Si ça n'est Mini justice, ma di ministre di mini justice wap fè lève ça. Si mini justice a demandé pour attaquer ma révolution dans le département sud-est, il t'a pino pour remettre démission parce que demain si de l'histoire rattrape ou comme un monde qui passe entre dans la logique mini justice wap fè lève ça. Merci magistrat, succès, c'est ton plaisir pour nous faire parler après-midi. Moi, c'est plaisir, c'est pour moi que lié. C'est plaisir, c'est pour moi qui l'on a l'autre fois encore qui te salue tout ancien maïsraïo, qui te salue PDG au Nicolin qui bat nous, vos plateformes ça pour nous faire passer les revendications nous, pour nous parler. Et hier, on l'autre fois encore chapeau pour vous, moi toujours à regarder texte sur vous, toujours à regarder écrit sur vous, ou pas n'importe qui journaliste ou son journaliste correct qui travaille pour la nation, et nation gagne pour récompenser la nation après une note de travail. Merci un peu le magistrat, Kembela, bon travail. Chaque soir, du lundi au vendredi, de 5h30 à 7h30 du soir, quelque chose de différent se passe sur l'Internet. Tikoze ak Tete sur Trifoumi Info. Tikoze ak Tete, durant 120 minutes, toute l'actualité haïtienne est décryptée, analysée et commentée avec Teriel Telus. Les informations inédites, les non-dits sur la bonne FM en Haïti, les cachotteries de la politique haïtienne, les sujets tabous qui font le buzz ici et ailleurs, la corruption, le banditisme, le kidnapping, le viol, le vol, l'insécurité bat son plein en Haïti et la presse se trouve entre le marteau et l'enclume. On a peur de s'exprimer pour ne pas se faire tuer à la Dorval, Rospide 12 ou encore Néhémie. On a peur de dénoncer les dérives des dirigeants. Teriel Telus a donc décidé autrement, au péril de sa vie. Il dit haut et fort ce que les autres ne veulent pas ou n'osent pas dire. Tikoze ak Tete est le thermomètre qui vous avertit de la température de la ville. Désormais, Yondi Lot, 5h30 pour arriver 7h30 dans la soirée, sauté lundi arrivé vendredi, Tikoze ak Tete, sauté Trifoumi Info, c'est émission pour pas rater. Pour participation, par à Tikoze ak Tete, 845-375-97-61. Daddy, c'est malin.